Mlokiangu alikufa ilifika le 4 ndio mlokiangu alikufa le 5 asubuhi ya 8h30 bakaketa babangu mwalimuita ku telefone ni ba mkwe ya maremu babangu akafika kunyumba kwake anke kuta maiti mkiti kisha pale vile bajirani bakasema muloko wenu kama alikufa bali mupiga na mbele maiti ende ku morgue bafanye ankete juu tujue kama mtoto alipigiwa kufanyisha ankete na leta kakia kuta matrasi ya jinsi mtu alipigiwa. La République démocratique du Congo, particulièrement dans sa partie est, loin de tirer son épingle du jeu en matière du respect des droits humains en général et prodigieusement droit ayant trait à la femme. Les violences conjugales et basées sur les genres sont donc récurrentes. La plupart des femmes finissent dans la tragédie suite au traitement inhumain leur infligé dans la société. Au Sud Kivu, par exemple, beaucoup d'entre elles sont soit violées, soit tabassées à mort par leurs conjoints et membres de famille. D'autres, rejetées dans leur propre famille, et plus encore, brûlées vives suite aux accusations de la sorcellerie, relèvent le rapport de plusieurs organisations locales. Par malheur, la plupart des victimes peinent pour accéder à la justice. Certaines par manque de moyens et d'autres coincées par les restrictions mises en place par des coutumes locales. Un défi que compte relever l'Organisation internationale des droits humains, My Voice for the Poor, pour l'instauration et la préservation de la paix et de l'amour, gage d'une bonne vie sociale. Pour être précis, la ville de Kamituga, la plus grande agglomération du territoire de Mwenga, en a défrayé la chronique récemment. En date du 5 janvier 2022, Charline Kitoko Safi, journaliste réceptionniste à Vision Chala, une chaîne de radio et télévision locale, décède. Les résultats de premières investigations citent son mari, Destin Wabilé, comme responsable de cette disparition barbare suite aux coups et blessures volontaires après une dispute conjugale. Comportement associé à une goutte d'eau qui a fait déborder les vases. La cité de Kamituga entre alors dans un état de choc et le voix s'éleva de partout pour dire non à cette barbarie qui a craché de nouveau sur le principe universel « la vie est sacrée ». Bien que située à des milliers de kilomètres, cette distance n'avait pas découragé les passionnés défenseurs des droits humains à faire preuve d'amour de leur engagement. De l'Allemagne à Kinshasa, de Kinshasa à Goma, de Goma à Bukavu et de Bukavu à Kamituga, Mezemi Kadwell Odette, à la tête de l'ONG My Voice for the Poor, débarque sur le lieu de crime pour donner du tonus et un coup de pouce à la famille biologique et professionnelle de la victime et aussi à la femme de Kamituga, non seulement dans l'essence de la compassion, mais également leur permettre d'attaquer légalement le bourreau selon les dispositions mises en place par le législateur congolais. Après un voyage pénible, sur une route à moitié inexistante, sur laquelle, quand la pluie vous y précède, il vous faut plus qu'un acte de bravoure pour arriver à destination, My Voice for the Poor n'avait pas tenu compte de tous ces obstacles. Une fois sur place, My Voice for the Poor, à la tête d'une équipe d'avocats, responsable de Vision Chala Media et d'autres défenseurs de droits humains, est accueilli en famille par le parent de la regrettée Charline Kitoko Safi, odieusement arrachée au sien à la fleur de l'âge. Un moment fort, douloureux, mais très particulier, avec un message d'espoir et d'assurance de Madame Odette. Job, on l'avait demandé, il était dans le malheur. Et on lui a demandé d'insulter Dieu et il a supporté. Et vous avez le malheur et vous portez encore Jésus. C'est ce que je voulais vous dire, merci, que ce Dieu, il vous a pas abandonné. Anajua kama Chaline Kitoko iko na mtoto wa 2 ans. Na aliuliza, vous avez le malheur. Ule mtoto ataishi je? Nani atamgarama? Anasema
8 février 2022, Kamituga s'est réveillé sous une note d'espoir. Le grand jour arrive. Le procès en audience foraine tant attendu ouvre finalement ses portes avec une particularité, la présence non seulement morale mais aussi physique de l'ONG My Voice for the Poor, constituée également en partie civile. Le tribunal de grande instance de Kamituga paie alors débiter avec l'instruction. À la barre, Destan Wabili, mari de la défunte, est présumé meurtrier. Un procès pédagogique tenu devant toute la population de Kamituga. Le maison de presse audiovisuelle locale et médias en ligne se sont intéressés à l'action menée par My Voice for the Poor et en ont fait écho. Ainsi, la nouvelle de l'action de My Voice va être relayée par tous ces médias au niveau de la République. Grande instance de Kamituga condamnant à 15 ans de prison le prévenu Destan Mutu Ungi, auteur du meurtre de son épouse Charline Kitoko, journaliste de Vision Chala, sous-station de Kamituga. Dans une interview exclusive à la radio-télé Ngoma ya Kivu, le représentant pays de l'organisation The Voice of the Poor, bienvenue Gilbert Nzungu-Nzungu Yumbi, salue ce verdict qui vient soulager les familles de la victime. L'ONG du droit allemand My Voice for the Poor, représentée par sa présidente Messie Caldwell Odette, venue de l'Allemagne juste pour la cause, a également participé à ce premier jour du procès qui s'est tenu devant la mairie de Kamituga en audience foraine. Restons à Kamituga. Le ministère public a requis une peine de 20 ans de servitude pénale principale à l'encontre de Destan Wabili, auteur du présumé assassinat de la mort de la journaliste Charlie Kitoko, son épouse. Occasion pour Madame Odette Mouzeme Kaoudouel, responsable de l'organisation des Voice for the Poor, de justifier sa présence au Sud Kivu. Nous avons déjà engagé des avocats. On a la confiance que la justice fera son travail. Venue de l'Allemagne juste pour la cause, Madame Mouzeme Kaoudouel Odette, présidente de cette ONG, a déposé une gerbe de fleurs à la tombe de Charline Kitoko. L'incriminé, visiblement bien préparé pour la cause, plaide non coupable. Il avance la thèse selon laquelle sa femme est décédée suite à la consommation abusive de boissons fortement alcoolisées et non de coups et blessures tels que soulevés par le collectif des avocats de la partie civile et ministère public. Pièce contre pièce, les parties s'affrontent sans merci pour prouver soit le contraire ou corroborer les propos du prévenu. 3 jours de marathon où témoins, renseignants et spécialistes vont défiler à la barre devant l'auguste tribunal. Nous ne confirmons pas avoir reçu la patiente Charline Mikita. Nous confirmons avoir reçu le corps sans vie, susnommé. Conclusion, corps sans vie de Kitoko Safi Charline, admise à l'hôpital sans vie, présentant des lésions ecchymotiques importantes pouvant traduire un décès dans un contexte d'usage et de force physique. Le vrai tombeau de mort, c'est les cœurs de vivants, dit-on. My Voice for the Poor rendra également hommage à l'illustre disparu. Une marche pacifique sera organisée dans la ville de Kamituga en date du 8 février. Elle partira de la mairie jusqu'au cimetière de la cité où a été enterré le corps de la pauvre Charline Kitoko. Une gerbe de fleurs y sera déposée en termes de respect aux deux causes. Je remercie surtout vivement la maman qui est provenue de l'Allemagne. Nous disons merci pour nous avoir accompagnés ici. Pour que les autres venus de passer par là voient là où on a enterré le corps de notre fille. Une fois de plus, je vous dis merci et paix du Seigneur soit avec vous. La paix et l'amour du prochain font partie de vertus véhiculées par My Voice for the Poor. C'est appeler à la paix, c'est appeler l'amour pour nous unir encore, de ne pas se focusser de là qui a été commis, mais de toujours se souvenir d'où nous venons. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit par apparaître du temps, Destan Wabili récolte en fin de compte les résultats de ses actes.
Bien que pédagogique, le verdict est proportionnel à l'infraction. À 15 ans de certitude pénale principale, au paiement d'une amende de 1 million de francs congolais dans le délai légal, faute de quoi il subira 20 jours de certitude pénale subsidiaire en cas de non-paiement. À payer au parti civil Wapepa, Wakitoko Charles, Kabungul, Witanda et Jeannette, en leur qualité de père et mère de la victime, une somme de 25 000 dollars américains en francs congolais à titre de dommages et intérêts à chacune d'elles. Reçoit l'action de la partie civile Odette Mezem, Caldwell et la DIF aussi fondée. En conséquence, condamne les prévenus susnommés à lui payer une somme de 1 franc congolais à titre de dommages et intérêts. Un succès juridique au compte de My Voice au profit de personnes marginalisées. My Voice for the Poor a présenté une note de satisfaction parce que déjà Madame Odette Mezeme Coldwell, qui est la présidente de l'ONG en question, donc My Voice, nous dit de dire merci à la population et de dire aussi merci à la justice parce que déjà au niveau international, cela est venu crédibiliser la justice de la RDC. Et vous vous souviendrez que nos avocats, n'est-ce pas, ont même sollicité l'aggravation de faits au lieu de se limiter aux coups et blessures. Ils ont demandé l'aggravation de faits à aller jusque à ce qu'on appelle l'assassinat. Donc My Voice pensait que si le jugement, au cas où le jugement ne serait pas rendu comme on s'entendait, donc on aurait ouvrir ou alors faire d'autres démarches sur le plan international, pourquoi pas aller même à l'AI. Toutefois, ce procès a été pédagogique à la jeunesse de Kamituga. Alors, quand les gens ont été engagés pour me faire un peu de pomme, ils ne sont pas engagés pour moi. Bonnet le temps à l'effiquer, moi les mesures comme frapper ça jusqu'à la mort. Vraiment, il faut déconseiller. Hapa Kamituga, hii mambo inazoea jitokeza sana siku baada ya siku. Bibi nakuona kupigana, bibi nakuona kulumizana. Hayo kabisa mambo ya mzuri sana. De retour à Bukavu, Caldwell Odette a animé un café de presse en la salle Belvédère, samedi 12 février 2022. Devant le chevalier de la plume et du micro, les organisations de défense du droit humain, elle a développé la thématique sur la situation de la femme face aux viols et violences conjugales au Sud Kivu. Elle a également insisté sur la vision et les objectifs de son organisation, avec un accent particulier sur le dossier Charlene Kitoko. C'est dans nos intérêts de s'installer ici, donc nous avons un plan pour avoir un représentant ici au Sud Kivu. Ça va aussi, ça va beaucoup nous approcher et ça va aussi peut-être avancer dans notre programme de faire plus, excusez-moi, plus de sensibilisation et aussi soutenir des diminuer de la pauvreté, de se battre contre la pauvreté qui est très, très dramatique ici. L'union fait la force parce qu'on ne peut pas tout faire. On est là, d'ailleurs on est en train de réfléchir sur un projet, peut-être c'est une opportunité même de collaborer avec My Voice for the Poor pour mettre en place un logement pour accueillir les victimes. Je pense qu'ils peuvent appuyer les programmes de plaidoyer, une campagne de plaidoyer pour faire en sorte que le gouvernement parvienne à modifier les programmes d'enseignement. C'est possible. Tout homme est pris de paix, est pris de justice, est pris du bien-être de l'autre. Tout homme est animé par l'esprit de l'alter ego, de l'altruisme, comme on dit, doit épouser la vision de Voice. My Voice for the Poor. Après un jeu de questions-réponses, Mezeme Caldwell Odette, présidente de l'ONG My Voice for the Poor, pouvait repartir et regagner son Allemagne natale tête haute suite au résultat positif atteint après son périple à l'est de la République démocratique du Congo.